affrontons les débats de fond et nous nous prononcerons sur le fond. Merci. Merci, Monsieur Aubert, à la parole. Oui, je crois qu'effectivement, l'amendement qui nous a été proposé par rapport à la question des ordonnances pose de manière plus générale la méthodologie. Parce que on voit bien que ce texte qui balaie beaucoup de sujets, certains diront qu'il est fourre-tout, est quand même passé d'une centaine d'articles à 200. Il a donc doublé de volume, tout ça dans un temps programmé. Et effectivement, on peut se poser quand même la question, et je suis assez sensible aux arguments qui ont été développés par notre collègue Cherki, à propos à quoi sert le Parlement. Ce n'est pas la première fois que nous avons des textes, je pense à la transition énergétique qui a été faite à la Hussarde. Nous avons une succession de textes, oui, Monsieur Jovoy, le président Brotte, ça a été fait à la Hussarde, toujours dans des conditions, en temps programmé. Et là, on se retrouve avec ce texte, avec un sumo législatif, qu'on essaye d'engoncer dans le tutu du temps programmé, et qui va avoir quand même beaucoup de mal à danser. Et je crois donc par conséquent que nous devrions, nous parlementaires, nous interroger sur la méthodologie de travail, de manière, si le Parlement veut être respecté, il faut qu'il travaille dans de bonnes conditions. Alors peut-être que la question des ordonnances ici ne s'applique pas, reste que le recours multiple, au-delà des questions juridiques, pose quand même une question du positionnement du Parlement par rapport à la